سيدي دي تولي انت كيو 5 مازال راه نتاوي انت مغلي وين مديان زنت قبيلي راه وياض راه فين كيف دير تم وتقبيليت سي تزغنت كوفيد حاروق كيرنا سان غير نغوا بيان اللي تموتني قبيليين تالو فاكين تنقيرو سيدي نول فان غير تسنو الفان تي من غيوت جمال بن اسماعيل اقتنيس دي تلويته تكلتا واحد نولي تم مغلي نيون ومرناس نتموت تقبيليت نتعدات دي كان وكين لاغفي جماوي ما سنير ازوف لك لاغفي زول رشيد زول يوداش مران دي سلان انا كيما سلام لاغفي شنو ذا مغناس نتمون انت تقبيليت ويكون نزغ تم مغلينيش غفيني كنت تيفير تم تقبيليت سي تلوث غار فايض تسينيض شد ديك وتكدكم فريد ذا شو تمغلينك يعني ثمور تقبيليث تشين تمس الفيروس يخمزيسن رافاج اي اون بليس دو سا يسكيلبابيليز اثنان لانتوكس دو ليتا لي زاروينيه ويسي افون تو جيمري بريزونتي مي كوندوليونس ا توت لي فامي كابيل كي اون بيردي un être cher, que ça soit victime des coronavirus, que ça soit victime des incendies criminels, ou que ça soit, et je présente aussi mes condoléances à la famille du jeune Jamal qui a été assassiné par l'État. Donc, c'est exactement pour cela. Qu'est-ce qui te fait dire assassiné par l'État? On va venir à Rachid point okay. par point jusqu'au moment où on va parler de ça. Mais l'objectif de la vidéo, de mon intervention, ça j'ai accepté. Je sais que tu m'as sollicité plusieurs fois, Karahim Kine, je n'aime pas les médias. Je préfère rester de loin et toujours, j'ai préféré l'analyse, regarder de loin, analyser. Et voir ce qui va se passer après, essayer de prévoir les choses. Donc, mais à ça, j'ai accepté. J'ai accepté parce qu'il y a eu. En particulier des comportements l'Qbayel. On est politisé, on est vacciné, mais on tombe toujours dans les pièges du système. نقرص القبائل نروح للقبائل الأحرار إلى القبائل كوباب je ne sais pas comment meurtrier داعش parce qu'il a écrit القبائل même il se qualifie de داعش au lieu de qualifier l'état de داعش j'espère qu'ils vont présenter des excuses à la population kabyle et en particulier au village à la population d'Arbanaïtira Il y en a même qui parlent de ce village comme du Daesh remasterisé. À qui profite tout ça, si ce n'est pas au système? Est-ce que vous n'êtes pas dans le piège en disant ça? C'est exactement ce que veut entendre de vos bouches le pouvoir en place. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir et de faire cette vidéo pour voir un peu ce qui se passe aujourd'hui en Kabylie. Avant d'y arriver aux incendies, avant d'y arriver à cet assassinat abject, inqualifiable. Et aujourd'hui, on découvre qu'il a été assassiné par la police à l'intérieur des fourgons cellulaires, avant de faire semblant de le jeter à des voyous. La majorité sont du système, et il y a des vidéos qui le montrent, c'est eux qui l'ont entraîné dans cette aventure. Si vous ne savez pas reconnaître les pièges de ce système, si on n'a pas 50 ans depuis 80, on n'a pas 50 ans d'expérience, de piège en piège. Donc, pourquoi tout cela, c'est la question. Pourquoi l'État a commis ce crime pour le coller au pays kabyle, à la population kabyle,
au Kabyle. Détrompez-vous, le message n'est pas envoyé ni aux arabophones, ni aux Kabyles, mais c'est aux étrangers. En particulier aux étrangers. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie coloniale est humiliée à plusieurs fois. Ces derniers temps, en commençant d'abord par l'affaire de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU. L'État, le gouvernement algérien, l'Algérie coloniale n'a pas digéré cela. Mais il va laisser passer ça sans conséquence, c'est qu'on n'est pas si futé que ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, là, les prisonniers kabyles, donc les prisonniers kabyles, on n'en parle plus aujourd'hui. Pour qu'on n'en parle plus de ces prisonniers, il faut quelque chose d'autre qui va nous focaliser. On va se focaliser. Et c'est les incendies. Les incendies sont criminels. Ils sont criminels. Et il y en a qui écoutent des Abdou Smar et des Zitot, etc., qui essaient de nous faire croire que c'est le résultat de la chaleur. Excusez-moi, la chaleur est partout en Afrique du Nord. 46 degrés à Bijaya, c'est 46 degrés à Skikda. 58 degrés à Tizi Ouzou, c'est 58 degrés à la forêt de Bouchaoui ou de Bainem. À Zbarbar, à Tarof et à Naber. S'il y a autant de feux en Kabylie, pourquoi il n'y avait pas autant de feux à Skikda? Et pourquoi je parle de Skikda, à Naber, Tarof? C'est les régions les plus boisées en Algérie. Ça dépasse même Tizi Ouzou et Biaïf peut-être. Skikda, c'est la région, la plus grande région, la plus grande wilaya productrice du chêne liège, à Blot. Vous avez le Toura qui se disent non, ce n'est pas. On nous qualifie de complotistes. Comme quoi, toujours on accuse l'État algérien, le gouvernement colonial, etc. Mais répondez-moi, s'il vous plaît, pourquoi il n'y avait pas autant de feux à Skikda? J'aimerais bien le savoir. Abdouzmar, il commence par dire mais il y a du feu partout, etc. Oui, peut-être. Il y a deux, trois feux à Skikda, à Naba, peut-être. Mais ce n'est pas la même chose qu'en Kabylie. Je suis désolé. Donc, il faut se poser la question. On va rester toujours dans les questions. On va, avant d'agir, poser des questions. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'Hakem. Alors, il n'y a pas plus pire punition que le feu. Et la Kabylie. Donc c'est la première punition. Sachant que c'est la deuxième punition, parce que la première punition, c'est en drainant le virus vers la Kabylie, en organisant, en matant le Hirak un peu partout en Algérie et en le laissant au Kabylie. Et les dernières semaines, quand le variant Delta est rentré en Algérie, il y avait la déclaration de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU. L'État louait des autobus pour envoyer des gens qui venaient de Babloua, de Chlef et d'un peu partout pour faire les marches à Tizi Ouzou et Bgeït, à Ind al-Qaba'il Ahrar, alors que le confinement aurait dû être décrété. Heureusement que les Kabyles étaient conscients. La dernière marche qu'ils voulaient faire, que le gouvernement voulait organiser à Tizi Ouzou et Bgeït pour dénoncer l'affaire de l'ONU, l'affaire du Maroc, n'a pas eu lieu. Mais on a des photos où tous les bus étaient prêts. Les gens ne se posaient pas des questions. Pourquoi il y a eu une catastrophe? Pourquoi la catastrophe était plus accentuée en Kabylie, la catastrophe des virus, qu'ailleurs? Premièrement, il y a la défaillance de l'État. Aucune structure. L'absence de l'État.
l'État qui vous a livré à vous-même. Deuxièmement, l'affaire de faire drainer tous les hirakistes, tous les gens des mouvements citoyens de Hirak, pour manifester en Kabylie et pour contaminer, pour faciliter en fait la propagation du virus. Alors, pour ce virus, on a été puni par le feu aussi. Pourquoi? Parce que l'Hakim, il a vu une chose. Ça l'a surpris. Il voulait nous punir par le virus et il était surpris de la réaction des Kabyles de par le monde, que ce soit à l'intérieur de la Kabylie ou à l'extérieur, de l'union des Kabyles qui ont réussi à ramasser beaucoup d'argent, ce que l'État n'a pas peut-être investi pendant 20 ans en Kabylie. On a vu l'élan de solidarité des Kabyles un peu partout dans le monde. Je dis bien des Kabyles, ce n'est ni du MAC, ni du RCD, ni rien, de tous les Kabyles. Ils ont répondu à l'appel pour acheter du matériel que l'État aurait dû acheter depuis longtemps. Ah, ça l'a surpris, la punition de face autrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut ralentir le matériel dans les aéroports. Vous savez, c'est de l'oxygène, hein? 20 minutes peuvent faire la différence. 20 minutes, une personne va mourir s'il n'y a pas l'extracteur, le générateur. On vient d'apprendre tout un langage sur ça. Et quand on a dénoncé ça, les blocages à l'aéroport, ah, Farneud, non, ce n'est pas vrai. Ils ont poussé même ceux qui ont dénoncé ça en Kabylie par des vidéos. Ils ont fait pression sur eux pour démentir 4 jours après. Mais ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont actionné l'ambassadeur de France, d'Algérie en France, pour écrire un communiqué qui parle directement. Il suffit de substituer région par Kabylie pour comprendre qu'on ne veut pas de matériel en Kabylie, qu'on ne veut pas de votre argent pour la Kabylie, qu'on est en train de faire suffoquer la Kabylie, on fait un génocide en Kabylie, laissez-nous faire. Pourquoi, la question, pourquoi c'est l'ambassadeur de la France, de l'Algérie en France, ce n'est pas celui du Canada? Pourquoi ce n'est pas quelqu'un de l'intérieur, Tebboune, un ministre de l'Intérieur? Alors, donc c'est pour nous punir encore. Heureusement, les Kabyliens ont trouvé des astuces, comment envoyer de l'argent, comment envoyer du matériel, etc. Mais le fait qu'on a dévoilé l'incapacité de ce gouvernement, de ce pouvoir à gérer un État, et en plus on a dévoilé les Kabyliens, comme quoi vous avez été abandonnés depuis longtemps. Tout ce que vous avez applaudi comme réalisation de Bouteflika, ou Soufanès Dafourgon, ou Dakamioun, ou je ne sais pas quoi, Safnouk, hein? Mais on a laissé l'essentiel, c'est la santé et l'éducation. C'est la santé. Nous Kabylie, mais pour se soigner, on n'a rien. Donc, on a dévoilé cette défaillance de l'État. L'Hakim aussi a décidé de nous punir pour ça. On l'a dévoilé aux yeux de qui? Ce n'est pas aux yeux de l'Algérie. Ils s'en fichent de l'Algérie, de la Kabylie, de l'opinion nationale. Mais c'est de l'opinion internationale. Pour eux, l'opinion internationale, mais regardez, c'est quoi ce pays? C'est le peuple qui est en train de. C'est la grandeur de ce pays qui a des pétroles, etc. Mais enfin, c'est les pauvres citoyens qui sont en train d'acheter leur matériel et de s'organiser. Ça, c'est une grande gifle, l'Hakim, au pouvoir colonial. Et alors, pour ça, il devait nous punir une deuxième fois. Il devrait nous punir une deuxième fois. Et il l'a fait. Il n'y a pas pire punition que le feu. Là, je ne vais pas spéculer en disant que c'est des capsules, c'est des gens qui ont été envoyés un peu partout, etc. Je ne sais pas. Mais pour ceux
qui sont en train de se culpabiliser en tant que Kabyle et de dire que vous êtes des complotistes, le feu est naturel, etc. Demandez une commission d'enquête. S'il y a dans des pays sérieux, s'il y a des inondations, pas un tremblement, mais s'il y a des inondations, un feu de forêt, il y a une commission d'enquête. Des inondations arrachées 2017-2019 au Québec, il y a une commission d'enquête qui va faire sortir un rapport qui va dire voilà les responsables, voilà les responsables, voilà ceux qui n'ont pas fait le travail, voilà ce qu'il faut changer dorénavant. Les feux de Fort McMurray en Alberta, il y avait une commission d'enquête aussi. Ça ne peut pas passer comme ça. Demander une commission d'enquête au lieu de toujours de viser, d'orienter votre gâchette vers les mouvements indépendantistes. Ou de se culpabiliser, de se dire ah, parce que t'assoulbira un peu partout, on jette du verre, etc. Faites l'expérience. Mettez une bouteille de bière à 46 degrés, on va voir s'il va s'enflammer ou pas, je ne sais pas. Sachant que c'est un fléau aussi, celui-là est un fléau que les comités de village doivent gérer au futur. Et je vous donne l'information. Au sein du JPK, on travaille là-dessus pour faire sortir une feuille de route qu'on va envoyer au comité de village pour faire de la prévention par rapport au feu les prochaines années. Même si Vassili a un crime comme celui-là, mais on va être prêt. Alors, pour le feu, il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème. Dès le début, on parle de 25 militaires, à qui je présente aussi mes condoléances à leur famille. Ils ont voulu nous présenter que les militaires ont Kabylie pour nous secourir. Sur toutes les photos et les vidéos qu'on a vues des feux en Kabylie, je n'ai pas vu aucune action où l'armée est impliquée, à moins que je me trompe. Mais dans les pays du monde qui se respectent, une catastrophe comme celle de la Kabylie demande 48 heures pour que l'armée se déploie avec les moyens nécessaires et adéquats à la catastrophe, mais pas avec des Kalachnikovs. Arraché, en 2017, on a vu pour la première fois l'armée canadienne circuler dans nos villes aux inondations. C'est vrai ou pas? Mais on ne les a pas vus avec les Kalachnikovs. Ils ont ramené des moyens adéquats. Parce que dans leur plan, c'est des stratèges, ils prévoyaient tout. Comme quoi, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir du gel, il peut y avoir des inondations. Ils sont venus avec du matériel adéquat aux inondations. Je pense la même année, en 2018, les feux de forêt de McMurray qui menaçaient des villes et des villages, il y avait les militaires, mais pas avec des Kalachnikovs. Ils avaient des Canadair, ils avaient tout le matériel nécessaire pour éteindre les feux, stopper les feux. Y compris une poudre qu'ils envoient des avions pour étouffer le fumée. Mais est-ce qu'on a vu ça en Kabylie? Est-ce qu'on a vu un discours d'un responsable du pouvoir colonial qui va dire, OK, on va déployer tout de suite les militaires, les forces armées adéquates pour venir en aide, secourir devant la population et en même temps éteindre les feux? Non. J'ai vu des camions à la commune de Tizimberbar, ma commune, mais c'est les camions bâchés avec des militaires habillés avec leur tenue de combat, ce n'est pas une tenue de feu, avec des Kalachnikovs. On ne veut pas de leur Kalachnikov. Ce qu'on veut, ce sont les camions de la police et de la gendarmerie qu'ils utilisent pour étouffer les marches. Comment on appelle ça, les camions lanceurs d'eau? Ils en ont partout. Chaque daïra, chaque commune, enfin pas chaque commune, mais chaque CNS, chaque police CNS en particulier, les CRS, ont ces camions. Pourquoi ils n'ont pas été déployés?
pour venir au secours d'une population qui est en train de mourir. Pourquoi? Et pourquoi quand il y a une marche ou une manifestation, en 5 secondes, en 5 minutes, on voit ces camions un peu partout, à Abgeith, à Tizi Ouzou, à Abouira, en train de lancer l'eau sur les marcheurs ou les manifestants, mais on a besoin de cette eau pour les forêts. On n'a pas besoin de ces camions si on ne l'utilise pas pour les forêts, pour les feux. La question qu'il faut se poser, c'est celle-là. À ceux qui se tiennent toujours à cette Algérie, ils doivent déposer plainte pour non-assistance aux personnes en danger. Et ils doivent nommer la police doit être nommée. La gendarmerie, la police d'Aoukas, par exemple, c'est des CRS, ils ont ces camions. Pourquoi ces camions n'ont pas été déployés? La gendarmerie aussi. Je ne sais pas, les militaires, s'ils ont d'autres moyens, s'ils ont des avions ou quelque chose comme ça. Mais si vous voulez rester dans cette Algérie, déposez plainte. Nommément en disant que le CNS d'Aoukas possède je ne sais pas combien de ces engins, pourquoi ils n'ont pas été déployés 2 heures après la catastrophe? Et à quoi ça sert? Voilà. Donc, l'armée algérienne, officiellement, n'est pas intervenue en Kabylie pour secourir la population et éteindre les feux. Ceux qui sont morts, c'est les détachements coloniaux qui étaient déployés un peu partout en Kabylie. Et dès le début, on avait l'information que le détachement de Tahokhout, c'est normal, si tu es à Tahokhout, avec autant de matériel, etc. C'est normal, tu vas être encerclé tout de suite avec le feu, surtout que c'est une armée de bazar qui n'a aucune stratégie pour faire face à ces feux, etc. Dès le début, on a eu l'information que les militaires de Tahokhout étaient en train comment dirais-je, de charger leur armement sur des camions pour prendre la fuite. Autre chose, Arachid? Voilà, je suis né en Kabylie. Vous savez que moi, il m'arrive souvent quand je rentre de l'étranger, le taxi me propose 2 voies. Est-ce que tu veux qu'on aille par l'autoroute, c'est plus vite, Bouira, Thoubirot, etc., ou on est en route à Tizi Ouzou? Et je lui dis toujours, vas-y, parce que moi, j'aimerais voir la verdure d'Azazgay à Corinne, etc., même si on prend 2 heures de plus. Ce qui m'étonne, où je prends Agreb, Boulimat, etc. Ce qui était étonnant, c'est tous les détachements militaires, de l'armée, un peu partout. Même au fin fond d'un village, tout au fond, entre Eakouren et Azfoun. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais une fois la route est coupée à Eakouren, donc on a décidé d'y aller par la forêt d'Akouren pour directement sortir à Azfoun et on a trouvé des militaires, c'est des villages. C'est un déploiement, un détachement. Il y a 3 ans, 4 ans de ça. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Voilà, pour dire que les militaires n'étaient pas au front. Ce sont les détachements de l'armée coloniale qui étaient en Kabylie. À quoi bon une armée qui ne vient pas secourir sa population? Si vous me dites l'armée sert à la protection des frontières, qu'il aille aux frontières. Il n'a pas sa place à Tahokhout. Sinon, à quoi bon cette armée? Il y en a qui nous disent que, ah, vous savez, l'armée, ce sont nos enfants. Oui, ce que l'on voit à la corvée, ce sont les enfants des peuples. Mais ces enfants des peuples obéissent aux généraux, n'obéissent pas à leur père. Vous voulez un exemple concret? On a tous des policiers de la famille, non? On a tous des CNS, des policiers, etc., de la famille. Faites une manifestation à Abgeith, Tizi ou à Toubirot. Vous avez des policiers de la famille, non? Demandez-leur de ne pas frapper son frère. Dites-le. S'il va vous obéir ou obéir à son commandant.
Un policier m'a dit une fois, tu sais, je lui ai dit, est-ce que si tu me trouves dans une manifestation de Khmour, est-ce que tu vas me tabasser, etc. Et c'est un ami, tu sais ce qu'il m'a dit. Iné, tu sais, quand je mets la tenue, je n'écoute que les instructions de mon chef. Et je ne vois personne. Je ne reconnais personne. La personne est toujours vivante, hein, il est au service. C'est tous les policiers qui sont faits comme ça. Je vous défie de leur demander, vous me dites si les enfants du peuple. Ils ne sont plus les enfants du peuple. Ils sont plus les enfants des pauvres. Les enfants du peuple ne tabassent pas leurs frères et leurs parents. Ne travaillent pas pour des criminels d'Alger. Et je ne vais pas y aller plus loin pour leur décrire un peu la situation ces enfants du peuple. Oui, on t'a envoyé militaire parce que le militaire, parce que tu étais victime d'un système d'ailleurs, qui t'a fait sortir de l'école en sixième année ou en neuvième année. Chose qui ne se passe pas ailleurs dans le monde. Et pourquoi on t'a fait sortir? C'est pour t'envoyer à l'armée, à la gendarmerie, pour protéger leurs enfants, leurs intérêts, leur village. Et tu rentres à Tmourth, à la tête d'être avec tes Nike et tes baskets, et tu gonfles ta poitrine et tu dis que je suis un homme. Alors que ton chef n'hésite pas à te mettre des gifles. Alors que tu passes ton temps à conduire le fils d'un général. Je vais être un peu aussi vulgaire. Ces militaires, enfants du peuple, enfants de pauvres, qui sont dans nos familles, on les envoie faire dans des détachements, soit à Tahoukhot, soit à Tibsa, dans des montagnes pendant des mois, ou pour protéger les intérêts des généraux, toujours. Et les enfants de ces généraux, en ce moment-là, ou toi, militaire ou gendarme, tu es en train de crever à la montagne, les enfants de généraux sont dans des cités universitaires avec leurs poches. À qui la faute, c'est à l'État. Parce qu'on a mis le parent d'abord, le père, dans cette pauvreté. Il a envoyé son fils à l'armée, il l'a sacrifié. D'Ahmès, les généraux. Et enfin, il a eu la chance d'envoyer aussi ses enfants à l'université. Voilà ce qui se passe. Voilà, revenons au sujet. On va continuer. Ce qui m'a fait le plus mal à Rachid, c'est, on va parler précisément de cet assassinat abject suivi d'un lynchage indescriptible, inqualifiable. Mais avant de faire tout commentaire, il faut rester zen et faire de l'analyse avant de condamner quiconque. Et en particulier, avant de se condamner soi-même. Ce qui m'a fait vraiment, ce qui m'a choqué, c'est les commentaires de Kabil qui ont tout de suite diffusé un message. En tant que Kabil, je présente mes excuses à la famille telle, etc. Mais pourquoi? Moi, je suis Kabil. Est-ce que c'est le Kabil qui a tué ce jeune? C'est noble d'envoyer les excuses à une famille qui vient de perdre un cher, mais il faut l'envoyer aux 65 morts, aux 69 morts de toute la Kabylie. Pourquoi c'est uniquement à cette personne? Parce que tu as écouté ce marre aux autres qui t'ont fait rentrer dans ta tête que tu es coupable de ce crime et tu t'es précipité à présenter tes excuses et à Corbelichine et à dire Smahoulna. Non, je suis désolé. Le Kabyle est noble. Le Kabyle a suspecté quelqu'un. Ils l'ont livré à la police. Cette police en laquelle vous croyez, quelle est votre institution. C'est noble. Qui s'excuse, s'accuse. Moi, je ne m'accuse pas. Je ne suis pas responsable de ce lâche assassinat commis par les services de l'État, par l'Algérie.
Je le répète, je ne suis pas responsable et je n'ai pas d'excuses à présenter à personne. Je présente des condoléances à tout le monde. C'est une victime comme les victimes, les 65 ou les 69, les victimes du feu, qui ont été aussi victimes d'un crime odieux de l'État. Ce n'est pas la nature. C'est l'État qui les a tués. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune commission d'enquête? Il n'y a aucun avocat qui a demandé une commission d'enquête. Où sont ces avocats-là? Notre faiblesse, c'est le droit. C'est la formation du juriste. La faiblesse de la Kabylie, c'est la formation du juriste. Et on le voit bien avec les prisonniers. Combien d'avocats qui défendent les indépendantistes, les prisonniers indépendantistes? Il y a deux. Il y a des milliers d'avocats en Kabylie. Chaque année, il y a une promotion de 1000 élèves à Abgaïf, Tizi Ouzou et Bouira. Ils sont où pour défendre? Et pourtant, la défense est un droit. Même pour les plus, pour, même pour Abbassi Madani. Et là, on va avoir une pensée Abnor Ali Yahya Abnor, d'Abdelnor. À l'époque, il défendait Abbassi Madani, on le critiquait. Ou le Cheikh Chesnedjer. Mais Karasi, il défend un criminel, etc. Mais non, ça ne se passe pas comme ça en droit. Chaque suspect a droit à sa défense. Y compris les intellectuels de l'époque qui l'ont condamné, et je ne vais pas citer leur nom. D'accord? Revenons à cette affaire. Deux jours après, on voit que, après que nos Kabyles se courbent les chines, se sentent coupables d'avoir commis un lynchage abject, je ne sais pas, inqualifiable. Moi, personnellement, dès le départ, je l'ai condamné en disant, excusez-moi, en les traitant tous les noms, en leur disant, là, vous êtes rentrés dans le jeu des pouvoirs, c'est exactement ce qu'il veut montrer. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Parce que c'est une autre punition de l'État, des pouvoirs coloniaux vers la Kabylie, qui a mis à nu aussi sa défaillance à gérer un feu. Alors, dès le début, on voit que le Qbayel ont donné un suspect à la police. À partir du moment que la population a livré, ont protégé le suspect, l'ont livré à la police, c'est de la responsabilité de la police. Ils sont responsable de sa sécurité, on le voit partout dans le monde. Et comment se fait-il? Cette foule ne l'a pas lynché la première fois quand ils l'ont attrapé. Mais le lynchage a eu lieu dans l'enceinte de la sûreté de la Daïra, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment se fait-il? S'il est aussi facile d'y aller délivrer des prisonniers ou ceux que la police, alors on aurait pu y aller relâcher nos prisonniers qui sont à Ouadraire, à Alger et dans les prisons algériennes. S'il est aussi facile. J'ai fait les événements de 2001. Ce n'est pas facile d'y aller relâcher quelqu'un que la gendarmerie ou la police ont attrapé. Ce n'est pas facile. Ça ne s'est jamais arrivé. Est-ce normal tout de suite? Ah, c'est la foule qui a réussi. Mais non, c'est de la responsabilité de l'État, de la police. Ah! Il y a quelqu'un, un représentant de la police qui dit, parce que je suis dans le commissariat, je vous défie tous, allez-y dans vos sûretés locales et essayez de rentrer.
Ah oui, 2 000, 2 000, 3 000 personnes. Ils vont vous tuer. Et là, ils vous ont fait croire que la population a réussi à rentrer dans l'enceinte du DRS, de la Sûreté de l'État, et même dans le fourgon cellulaire. Mais il faut, je vais pas être, je vais pas dire plus. Il faut être naïf pour croire ça. Et aujourd'hui, on voit les vidéos. Rachid Mathwathi, les vidéos, on va voir les vidéos. Justement, Regarde ce qui se passe. alors, on va déjà cet avantage exprès parce que, vous verrez que ça sera de l'élan, parce qu'il y a une idée que, il s'agit maintenant, il a raison de dire qu'il y a une idée, tu vois, nous, c'est plus vidéo, justement. Ça, c'est une autre leçon.